passer. Je sais que c'est l'heure du déjeuner et que certains sont un peu fatigués, mais MRC, 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 jusqu'où? Quand? En passant par où? Ladies and gentlemen, I'm more than delighted to be here this afternoon. It is my singular honor and pleasure to take the floor to address Cameroonians on a key issue. I've promised some months ago that I will make stock of what have been achieved in looking for a coalition. Now it's time to give information to Cameroonians. But before then, I would like to address a world of friendship, of brotherhood to my brothers and sisters from Northwest and Southwest. It's painful to know that we are going to an election, a presidential election in our country with a war going on in part of our country. Cameroonians shooting on Cameroonians. But I would like to tell them that I love them and I miss them. And I would have liked to have all of them with us before going to these elections. But it does not depend only on us. We could not afford to boycott the elections because it would have given the opportunity to the same leadership to continue and go on and could go on again. But we want to put an end to the sufferings of our brothers and sisters. And that's why we are going to elections. And we are going to these elections to win. We are going to win. We are going to win because that is the will of Cameroonians. These are the expectations of our people. It is time to put an end to that war, to bring our people back from Nigeria, from refugees camp, to bring them back from forest, to rebuild villages which has been burned down to ashes by unconscious leadership. We have to give them a chance to start a new life. And that is my commitment, that should you people give me the opportunity to serve our nation as the third president of this country, my first trip will be in Northwest and Southwest. To bring them a message of reconciliation, peaceful message, wipe off their tears and tell them that they are dear to our hearts, and I want them on board to serve our nation, to bring Cameroon to a new level, to new heights, to the level we deserve to be. Build a country where every Cameroonian will have a chance, an opportunity to express himself and live in a peaceful and united country. And that's my commitment. Merci, mes chers amis, d'être venus si nombreux cet après-midi. Nous sommes un lundi. Et je sais que nombreux d'entre vous auraient bien pu vaquer à leurs occupations ce jour. Mais vous êtes là, si nombreux. Vous êtes le témoignage du désir de notre peuple. D'abord de voir les dirigeants politiques se mettre ensemble et ensuite de se mettre ensemble pour changer la face de notre nation, de notre pays. C'est pourquoi vous êtes là. Et je voudrais ici, du fond du cœur, en tant que candidat à cette élection présidentielle, qui est et sera un moment unique de l'histoire de notre pays, vous en remercier très chaleureusement. Mes remerciements vont d'abord et en premier lieu,
aux dirigeants des partis alliés, aux responsables politiques avec lesquels nous avons bâti une coalition à la base, aux organisations de la société civile, aux militants nombreux, aux Camerounais désireux de vivre dans un pays de paix, dans un pays réconcilié, dans un pays où ceux qui ont toujours vécu dans l'ombre voient enfin la lumière, ceux qui produisent les richesses, mais qui sont les plus pauvres et que j'ai rencontrés partout où je suis allé au Cameroun. Il y a presque 9 mois, j'ai dit aux Camerounais, exprimant là mon désir ardent de voir une coalition se former, une coalition des partis politiques, de la société civile se former au Cameroun pour donner à l'occasion de l'élection prochaine à notre peuple le changement après lequel il court depuis 1992. Et il vous souviendra, mes chers amis, mes chers compatriotes, que je m'étais engagé à aller vers tous les dirigeants politiques, où qu'ils me donnent un rendez-vous, que j'étais prêt, même s'il fallait y aller à pied, à aller les rencontrer, pour que l'on discute ensemble sur la possibilité de construire une coalition. Dans mon esprit, je n'avais pas de préjugés. Dans mon esprit, je voulais que l'on réfléchisse sur ce que nous allons les uns et les autres présenter à nos appareils politiques comme les bases d'une coalition. Une coalition ne se fait pas entre un individu, ça se fait entre organisations politiques. Et on explique cela à son organisation politique. Et on essaye de convaincre même au sein de cette organisation certains qui peuvent être sceptiques du bien fondé de la coalition. Mais il faut pour cela qu'il y ait des arguments. Mais j'ai fait un effort d'aller effectivement, tenant ma parole, vers tous les dirigeants politiques. J'ai rencontré le leader du mouvement NOW, qui est maintenant investi par un autre parti politique. J'ai rencontré le secrétaire général, à la demande de son leader du SDF, puis le candidat du SDF à l'élection présidentielle. J'ai rencontré le CPP, j'ai rencontré le Manidem, j'ai rencontré l'UPC, j'ai rencontré l'Offre Orange, j'ai rencontré le PURS, même pas une seule fois. Pas une seule fois. Avec qui on a mené des discussions très poussées. On avait même un projet d'accord. Mais je peux comprendre que, étant en politique, certaines raisons peuvent faire que certaines démarches n'aboutissent pas. Je respecte profondément le choix de chacun. Mais je sais que ceux qui ont choisi de former une coalition avec nous savent que c'est ce que notre peuple veut et que nous formons ensemble une coalition gagnante. C'est la coalition qui va gagner le 7 octobre prochain. C'est une coalition gagnante parce que c'est une coalition faite des hommes et des femmes de valeur, connus du peuple camerounais, dont on connaît l'engagement auprès du peuple camerounais, dont on connaît l'état du service, le patriotisme. Pourquoi voulez-vous que les Camerounais ne leur fassent pas confiance? C'est une coalition gagnante. Et c'est la coalition qui va diriger le pays demain. J'ai toujours dit, nous voulons le pouvoir pour gouverner ensemble, pour le partager, parce que notre pays est vaste, parce que les défis sont nombreux à ce point que personne ne peut prétendre continuer à gouverner le pays comme il est gouverné aujourd'hui. Toutes les décisions ne peuvent pas dépendre d'un individu. Nous devons apprendre à mettre tous les talents que nous avons dans notre pays en marche pour développer notre pays. Nous allons former une coalition puissante et je pense, je l'espère, qu'aujourd'hui ce n'est que le point de départ. La porte reste ouverte. Tous ceux qui veulent nous rejoindre seront les bienvenus. Nous avons dit que nous tendons la main à tout le monde, mais je ne vais pas vous faire languir. Je vais vous présenter ma coalition. Je vais vous présenter notre coalition. Et vous dire ensuite que cette coalition partage avec moi la même conviction. C'est que nous devons rassembler les Camerounais. Nous devons les rassembler, les mobiliser pour transformer et moderniser le Cameroun. Et dans notre souci de rassemblement,
dans notre volonté de rassemblement, nous tendons la main à tous ceux qui ont la bonne volonté, c'est-à-dire à tous ceux qui veulent s'inscrire dans la modernisation du Cameroun. Nous n'excluons personne, même ceux du RDPC. Je le dis ici solennellement, même ceux du RDPC. Nous leur tendons la main, qu'ils viennent. Ceux qui sont là depuis des années et qui n'arrivent pas à s'exprimer. Ceux qui sont là et qui n'apportent pas leur contribution parce qu'on ne leur en donne pas l'occasion. Oui, qu'ils viennent rejoindre notre coalition parce que c'est une coalition de talents. Je veux les Camerounais, tous les Camerounais et toutes les Camerounaises avec moi, avec nous. Nous les voulons. Nous voulons que le Cameroun retrouve son lustre de pays de référence en Afrique. Nous voulons que ce pays rayonne comme jamais par le passé. Nous voulons que les talents nombreux soient mis en mouvement pour que ce pays livre ce qui fait son exceptionnalité. C'est un pays qui est au confluent, des courants migratoires. Et c'est pour cela que vous trouvez ici des gens qui viennent de partout. Vous trouvez des gens qui viennent de partout. Alors que certains pays ont une seule communauté, nous avons, si vous regardez le Cameroun, des populations que vous trouverez dans le reste de l'Afrique. C'est ça qui fait notre singularité. Et c'est ça qui fait sans doute notre puissance. Est-ce que vous savez que dans votre pays, il y a des populations arabes? Il y a des Arabes au Cameroun. Arabes choix dans la partie septentrionale, dans la zone du lac Tchad, où j'ai travaillé pendant plusieurs années. Vous avez des populations de toutes les régions, venant de l'Afrique de l'Ouest, venant de l'Afrique du Sud, venant de l'Afrique de l'Est, et qui, dans la confluence migratoire, se sont installées pour créer ce pays formidable, qui est tout un continent en un seul pays, tout un continent dans un seul pays. Nous n'avons pas le droit de le gâcher, ce joyau. J'ai consulté tout le monde. Je suis allé vers tout le monde. Quand j'ai dit tout à l'heure tout le monde, j'ai omis de citer un des acteurs politiques de la phase actuelle, qui est le président du mouvement 11 millions qui a été présenté par le parti Univers. Je l'ai rencontré. J'ai discuté avec lui. Et comme avec lui et avec les autres, nos portes et nos bras restent ouverts. Nos cœurs restent ouverts. Et croyez-moi, aucun écart de langage ne m'empêchera d'aller vers les autres. Quand on est un homme public, on ne s'arrête pas aux détails. Ce qui importe, c'est le peuple camerounais. Je voudrais donc vous dire, mes chers amis, nous avons une coalition gagnante qui, au jour d'aujourd'hui, est composé de partis politiques, de coalitions avec des personnalités politiques, ce que nous appelons coalition à la base. En réalité, c'est une coalition avec des personnalités importantes, y compris des militants, des vagues entières de militants d'un parti politique, même si le parti politique, en tant qu'organisation, a choisi un autre ralliement ou ne s'est pas prononcé. Mais à la base, les militants ont compris le message et ont choisi de venir avec nous. Nous avons une coalition dans la troisième composante et une coalition avec le mouvement syndical. Et je dirais la société civile parce que c'est plus large. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de vous dire que notre coalition est composée du Mouvement Patriotique pour un Cameroun Nouveau, le MPCN. Présidé par pas moins que M. Paul-Éric Kingé, que tout le monde connaît, les Camerounais connaissent son combat. Je suis face à un compatriote devant qui je lève le chapeau. Parce qu'il a... Et ça n'est pas un discours politique, mes chers amis. Ça n'est pas un discours politique. Ça n'est pas un discours politicien. Parce que j'admire
sa résilience. J'admire sa ténacité, son sens du combat. Il faut avoir cette énergie-là au fond de soi-même pour survivre à ce qu'il a enduré. Parce que quand vous avez été condamné 3 fois à perpétuité et que vous êtes aujourd'hui libre par le combat judiciaire, après 8 ans de prison, on a le droit de lever votre chapeau, son chapeau. Et c'est cette force-là qu'il nous apporte. C'est cette force-là que les Camerounais respectent. Quelqu'un qui a subi les pires avanies parce qu'il défendait ses populations. Comment voulez-vous que je ne me reconnaisse pas en lui? Parce que si je me suis mis debout, c'est parce que je vais être aux côtés du peuple camerounais. Et personne ne m'empêchera de me tenir jusqu'au bout aux côtés du peuple camerounais. Et croyez-moi, quand j'ai des compagnons de route comme ceux-là, je suis fier, je suis confiant, je suis solide sur mes assises. Le parti suivant est la dynamique nationale pour la renaissance de Monsieur Albert Nzonga. Il nous a adressé un message. Il nous a adressé un message que je vais me permettre de lire. Il nous a adressé un message que je voudrais lire ici au public. Voici son message. Au directoire national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, retenu à l'ouest pour les obsèques de Papa Kaji, je regrette de ne pouvoir être physiquement présent à cette réunion. Comme déjà annoncé dans les médias et sur le terrain, la dynamique pour la renaissance nationale est un allié du MRC avec qui elle doit fusionner prochainement. Elle est partie prenante dans la campagne du candidat Maurice Kamto et y prendra toute sa part active. Elle a désigné le commandant Twente Roger, ancien pilote de l'armée de l'air, et M. Nzonga Albert, respectivement secrétaire à la communication et président national, pour figurer dans l'équipe de campagne. Je souhaite plein succès à cette réunion et souhaite la bienvenue aux personnalités et partis qui nous ont rejoints. Ensemble, nous vaincrons. Albert Nzonga, président national de la Dynamique. Le troisième parti de notre coalition, c'est le Rassemblement démocratique pour la défense de la République, le RDDR, représenté par son président national, M. Lamgolo Dieudonné. C'est un parti qui est fortement implanté, en particulier dans la partie septentrionale du pays, bien qu'il soit également implanté, évidemment, dans le sud du pays, à l'ouest, mais très implanté dans la partie septentrionale du pays. Ils ont participé déjà aux élections couplées de 2013 et ont fait des scores qui sont enviables par rapport à d'autres partis politiques. Je crois que chacun d'eux prendra brièvement la parole tout à l'heure et nous allons, à cette occasion, avoir pour key speaker, comme on dit dans la langue de Shakespeare, le maire Paul-Éric Kingué. Le quatrième parti qui nous rejoint dans la coalition, c'est le Front de solidarité nationale, représenté par son président national,
Monsieur Pahami Zaché Daringo, qui est ici présent. Que je voudrais. Le cinquième parti qui rejoint notre coalition, c'est le Parti libéral-démocrate, PLD, représenté par son président national, M. Liapoé Jean-Robert. Voilà pour les partis politiques. Les discussions étaient beaucoup, très poussées pour beaucoup plus de partis que cela. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous respectons le choix de chacun. Nous sommes dans le champ politique et chaque politique fait ses choix en fonction de sa lecture de la situation politique du pays et peut-être même de ses intérêts. Donc, c'est une coalition du candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun avec 5 partis politiques dont je viens de vous donner le nom. Notre porte reste ouverte à d'autres formations politiques. Maintenant, la coalition avec la base venant de certains partis politiques. J'insiste, c'est la base de plusieurs militants, de responsables, de niveau national souvent, qui nous ont rejoints, de niveau régional. Et dans cette coalition à la base, avec nos populations et nos formations politiques, il y a d'abord, et j'ai l'honneur et le plaisir, croyez-moi, d'annoncer justement cette coalition avec l'Union des populations du Cameroun, l'UPC section Ouest, dont tout l'UPC Ouest, représenté par M. Tagne Henry. Merci. C'est un privilège particulier parce que l'UPC tient une place singulière dans l'histoire politique de notre pays. Et le fait que des militants intransigeants qui gardent les idéaux de ce parti aient choisi de faire le pas pour venir faire la coalition avec nous est un symbole extrêmement puissant. J'ai l'impression que quelque chose d'immense est en train de se préparer dans notre pays. Parce que si nos camarades, dont les leaders fondateurs de leur parti, qui ont payé le plus lourd sacrifice à leur combat, voient et lisent dans notre démarche politique quelque chose où l'on peut trouver une convergence avec leur engagement politique, cela veut dire que nous avons là, effectivement, un moment historique qui est en train de se préparer et qui va s'accomplir le 7 octobre prochain, croyez-moi. Et je peux vous dire ici, ça n'était le fruit d'aucune négociation, ce n'est pas des marchandages. Mais je puis leur dire ici que dans mon cœur et depuis longtemps, j'ai pris l'engagement pour moi-même en tant que citoyen camerounais, que si jamais le peuple camerounais nous faisait confiance pour assurer la direction du pays, ces leaders qui sont morts pour que nous puissions nous tenir librement debout aujourd'hui seront honorés comme on ne les a jamais honorés dans ce pays. Padec. L'essentiel. Et vous avez vu qu'il s'est déjà fondu dans notre coalition au point où il est déjà un des acteurs de la coalition En Marche. Le vice-président, l'ancien vice-président du PADEC est là. L'ancien vice-président du PADEC est avec nous. Et dans le bureau, le conseiller municipal du PADEC, le PADEC en avait deux. L'un des deux. Donc il y avait le président national du PADEC qui était conseiller municipal du PADEC dans Douala 5. Et le deuxième conseiller municipal était également de Douala 5.
Parmi ceux qui nous ont rejoints, il y a non seulement le vice-président, mais le conseiller municipal en question nous a rejoints et tous les autres membres du bureau. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Et les structures de base de ce parti, avec leurs militants, les structures à la base, avec leurs militants, nom et numéro de téléphone, la liste existe, nous ont rejoints. Je voudrais encore féliciter chaleureusement donc, l'ex-vice-président national du PADEC, Sir Mutaga Sivanus Tifu. Merci d'être là. Quatrième coalition à la base, et pas des moindres, c'est un vétéran de la politique camerounaise que je connais, que nous avons touché depuis longtemps. Vous voulez que j'ajoute Célestin? Célestin a déjà rejoint les rangs du parti. C'est un secrétaire national du parti. C'est lui qui vous accueille aujourd'hui. C'est lui qui vous accueille, donc il n'a pas besoin. Donc il n'a pas besoin d'une nouvelle présentation. Par contre, celui que je vous présente n'est pas des moindres. Parce qu'il est conseiller municipal à Douala Premier, un des responsables, et pas des moindres, de l'Alliance des Forces Progressistes, AFP. Je veux ici annoncer le ralliement, en tout cas dans le cadre de la coalition qui porte ma candidature, le conseiller municipal Jean-Claude Feuzet. Il est là. Donc voilà notre coalition avec la base. Et croyez-moi, elle continue. Et il n'y en a plus que ça. Parce que nous n'avons pas voulu, pour des raisons liées au contexte politique, forcément donner la liste de tous les noms. Vous allez être surpris dans les jours qui viennent. Vous allez être surpris. Quand je vous parle de coalition gagnante, vous allez savoir que le Cameroun est debout, que les Camerounais sont debout, des Camerounais de valeur, des Camerounais dont personne ne conteste ni le patriotisme, ni la compétence, ni la détermination politique. Vous allez voir. Dans la coalition, nous avons également construit une coalition à la base avec les membres de syndicats. Et je peux vous annoncer ici aujourd'hui le ralliement autour de ma candidature des membres du syndicat départemental des dockers et des travailleurs patriotes du port de Douala. Ils sont là. Il est là. Leur représentant est là. Et nous avons la liste de tous les membres de ce syndicat qui nous rejoignent eux aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, d'autres soutiens sont en cours. Les consultations se poursuivent. Nous n'avons pas l'intention ici, par anticipation, de dire avec qui nous poursuivons nos contacts, mais j'ai bon espoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que vous aurez des surprises, d'autres surprises dans les jours à venir, dans les jours maximum quelques semaines qui viennent avant que l'on aille à l'élection du 7 octobre prochain. Voilà donc, mesdames, messieurs, j'avais promis au peuple camerounais de le tenir informé et de lui rendre compte de mes démarches en vue de construire une coalition. Je crois que vous pouvez constater que nous n'avons pas dormi, que nous avons travaillé sans relâche, que effectivement, nous n'avons pas eu besoin de trop argumenter parce que ce sont des gens qui lisent. Ils ne viennent pas simplement de manière aveugle. Ils viennent aussi sur la base de ce qu'ils nous entendent dire, de ce que nous avons écrit, et de ce qu'ils savent que nous ferons demain ensemble. Messieurs, mesdames, je vous prie d'accueillir à nouveau les membres de la coalition gagnante autour de la candidature. C'est qui? Ah, oui, tiens, pardon, oui. Vous voyez, donc je vous ai dit que le compteur est ouvert, maintenant vous allez être surpris. Donc, voilà, on m'annonce donc le soutien
et le ralliement, disons l'entrée dans notre coalition de M. André Blaise Essama, qui est présent dans la salle. Et il est là. Voilà. 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 Merci. Et c'est un membre de la société civile qui est connu. Donc c'est la dynamique que nous avons créée. Et je dis, les forces profondes de notre pays sont en mouvement. Et pour ceux qui croient en Dieu, il y a une promesse qui est faite. Faites que Dieu rende cela possible le 7 octobre prochain. Faites que cela soit possible. Et nous allons réussir au cœur de l'Afrique, en Afrique centrale, que l'on croyait définitivement fossilisée, sclérosée, une révolution extraordinaire, un changement dans la paix, par les urnes démocratiques, qui va faire respecter notre pays à la face du monde. Merci. Merci. Je voudrais demander aux membres de notre coalition ici présents de dire chacun brièvement, on va dire 3 minutes, un mot, et notre key speaker, le maire de Pendja, M. Paul-Éric Kingé, prendra la parole en dernier pour faire son key speech. Merci. J'ai un document. Voilà, c'est ça. C'est à moi. Le stylo aussi. Ok. Alors, dans l'ordre, qui sera leur position sur les chaises qui sont les leurs? Je m'excuse, il y a une omission. Il y a une omission grave. Grave. Oui, parce que ça, on doit considérer comme grave, parce qu'un allié à un parti politique qui nous rejoint dans la coalition et que j'ai omis d'annoncer, c'est ceux qui ont préparé mon bord, comme on dit, ils ont sauté. Donc, au fond, j'ai plus que l'honneur, j'ai la joie de vous dire que notre coalition est à 6 partis politiques et non plus à 5. Donc, parce qu'il y a le mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, il y a la dynamique nationale, il y a le rassemblement démocratique pour la défense de la République, il y a le parti libéral démocrate, il y a le front de solidarité nationale, il y a la Ligue démocratique, dont le président est là. Donc je me fais l'honneur de le présenter. Vous voyez donc que je vous ai dit que le mouvement est en marche. Et vous allez voir qu'il va aller grandissant. Et que si nous devions traverser le pays à la marche, c'est-à-dire en allant à pied, vous verrez que c'est l'ensemble du peuple camerounais qui va se soulever progressivement pour marcher. Parce que je veux que demain, au lendemain du 7 octobre, nous ouvrions ensemble les portes d'étudier et que nous entrions avec eux.